passé de 2 avril, nous sommes dans l'obligation de fermer cette sanctuaire à tout mouvement, toute visite touristique, toute circulation de staff de vous-même entre ici et l'extérieur pour une période de 1 mois. Cet mois peut être renouvelé selon la situation qui se trouve à l'extérieur de Jack, donc au niveau de l'Omobashi. Dans un premier temps, on prend cette mesure pour 1 mois. Okay? Et pendant 7 mois, vous allez rester ici. J'ai demandé à l'équipe de gestionnaire de Jack, le président, d'assurer que vous avez tous dont vous allez avoir besoin. Vous, l'équipe, qui vont rester ici, et ça concerne et ici sienne, et vous, l'équipe de Jack, vous allez rester ici, okay? Pour 1 mois d'observation. Okay? On peut se trouver dans l'obligation de continuer. C'est à voir. Mais dans un premier temps, on prend 1 mois de précaution. C'est ainsi que, en tant que directeur provincial de Grand Katanga, pour les Iciennes, je viens d'écrire une lettre officielle, formelle, adressée au président de Jack, dans les 48 heures à venir, d'assurer la fermeture de Jack pour tout mouvement de personnel. Okay? Et je voulais venir moi-même vous informer de cette mesure que nous sommes dans l'obligation à prendre. Et c'est au niveau du président de Jack pour assurer, comme je viens de dire, que vous avez tout ce dont vous avez besoin, et pour vous, et pour les chimpanzés pendant cette période. Okay? C'est la seule décision qu'on pouvait prendre. Et je vous remercie tous d'avance pour être prêts de suivre cette mesure à la lettre. Merci pour votre compréhension. Et encore pour votre dévouement pour la protection de nos chimpanzés, espèce totalement protégée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.